Et à tous à TeamZen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir à l'écran les gars, il se passe des choses intéressantes puisqu'on a totalement gratuitement le petit accessoire au dos holographique interdit aux fantômes que vous pouvez voir les gars, donc je l'ai bien reçu à l'instant totalement gratuitement. Pourquoi on l'a gratuitement les gars? Puisque quand vous allez dans vos quêtes ici, on a une quête qui s'appelle événement SOS fantôme l'héritage, vous avez une semaine et 6 jours, c'est-à-dire en gros 2 semaines pour le faire, et il vous demande en anglais de faire un truc bizarre, Containment Specialist Ghostbusters Punch Card. Punch Card, les gars, c'est la carte qui est ici à la base en tant que, SOS fantôme, d'accord. Et lorsque vous la, vous la faites entièrement, normalement, elle disparaît parce qu'elle est validée, d'accord. Donc ici, vous ne le verrez plus, comme moi, je ne le vois plus. Alors, une fois que vous, vous vous connectez et que vous n'avez pas encore fait votre quête, ici, vous allez voir un personnage qui s'appelle Pro du Confinement, d'accord, et qui a, du coup, la tenue Ghostbusters, qui est normalement, hop, comme celle-ci. Alors attendez, normalement j'ai les skins. Hop. Ah par contre, ouais non. J'ai les skins, mais je voulais vous montrer, mais ça s'appelle pas... ça s'appelle SOS Fantôme, pardon. Par contre, SOS, je crois qu'il y a des points dans leur truc. Alors, SOS. Oui, comme je vous dis, ouais, il y a des points. Hop. Hop. Voilà, donc c'est un personnage qui a la même tenue que celui-ci, d'accord. Et quand vous allez lui parler, il se trouve au niveau du camp de la morue, d'accord. Le camp de la morue qui est juste ici, sur votre carte, hop, tout en bas. Et bien vous lui parlez, ça vous fait 5 étapes de quête. Ces 5 étapes de quête, vous allez les trouver sur ma chaîne, les gars, en description de cette vidéo. Vous allez avoir tous les liens vers les vidéos. Toutes les vidéos sont des choses faciles à faire, mais que vous devez faire dans un certain ordre pour valider les 5 étapes. Une fois que vos 5 étapes sont validées, ça vous valide du coup cette petite étape qu'on voit ici, donc 1 sur 1, qui vous permet d'avoir l'accessoire au dos interdit aux fantômes que vous voyez à l'écran. Donc voilà les gars, pour avoir l'accessoire au dos gratuit, il vous suffit de faire des quêtes ouvertes à tous. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a aidé à comprendre tout simplement, que vous allez lâcher un petit pouce en l'air et que vous allez vous abonner les gars. On se retrouve tous les soirs 21h minuit pour les games abonnés. Aujourd'hui en plus on a le nouveau mode de jeu, Horde Rush, etc. Bref, je vous dis à ce soir. N'oubliez pas également les boutiques en live 2h du matin. N'oubliez pas de rester zen.